C'est parce que je dis du mal de IE depuis tout à l'heure. PowerPoint me martyrise. Shift F4? Je retiens, on va tenter tout à l'heure. Attention, il faut que ça marche. Hein. Je suis nul sur tout ce qui est PowerPoint. On va tenter. On va tenter tout à l'heure, merci beaucoup. Donc là, on a quasi fait le tour de tout GWT. On a vu tous les principes de base. À partir de là, vous pouvez commencer. Maintenant, on va voir quelques points, on va dire, pas annexes, mais qui transitent autour de GWT. Et le premier d'entre eux, c'est HTML5. Alors, je ne suis pas là pour démonter HTML5. Je suis plutôt pour. Mais aujourd'hui, on a une hystérie ambiante autour de HTML5 qui est vue comme le messie qui va shooter tout le monde. Flex en premier, parce que c'est vraiment l'ennemi. Parce que Steve a dit que c'était mauvais, donc plus personne ne fait de Flex. Alors Flex, c'est une super plateforme qui répond à des besoins auxquels ne répond pas encore HTML5. Ça, il ne faut pas l'oublier. Par contre, HTML5 et HTML plus globalement va dans le bon sens. Pourquoi il va dans le bon sens? Parce que HTML5, déjà, je ne sais pas pourquoi on l'appelle HTML5, ça pourrait être Web5, dans le sens où ça va au-delà de HTML. On trouve CSS, on trouve les WebSockets, on trouve énormément d'API JavaScript, et on trouve évidemment des nouveaux éléments HTML. Donc, c'est quand même du HTML. Mais on va dire que c'est une évolution globale de la plateforme web en général. CSS, HTML, JavaScript. HTML5, ça marche très bien. Sauf que c'est un peu problématique de se lancer comme un malade dans HTML5, dans le sens où c'est pas fini. Le chantier est encore en cours. Il y a énormément de spécifications qui sont terminées et plutôt bien implémentées par les navigateurs du marché, navigateurs modernes, parce qu'il y a des navigateurs qui vont être là encore pendant plusieurs années et qui ne savent pas gérer HTML5. Et pour les déboulonner, c'est relativement long. Notamment un IE6 qu'on retrouve un peu dans tous les SI et à faire bouger, c'est compliqué. Et donc ça va mettre du temps. Il y a certains prévisionnistes, après ça vaut ce que ça vaut, qui disent adoption complète en 2020. Ça ne coûte rien de le dire, hein. De toute façon ils sont peut-être morts, donc ils ne prennent pas énormément de risques. Bon, grosso modo, c'est encore en chantier, ça se met en place. C'est vrai que les Chrome, les Firefox et les derniers IE le gèrent plutôt bien. Mais vous voyez que tout ça, c'est pas géré encore, quoi. Ou ça va bouger, on sait où on va. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de surprise majeure en bout de course, mais bon, c'est en cours. Et puis, il y a des remarques assez étonnantes. Nous, ça nous arrive chez des clients d'avoir des discussions. Les gens nous disent, nous, on veut avoir une seule techno frontale. Parce qu'on ne va pas s'emmerder à avoir du JSF, du Wicket, du Strut. Et certains font du Spring MVC, d'autres font du Flex, d'autres font du XJS. On veut une seule techno. Et là, tout le monde dit, c'est cool, on a HTML5. Sauf que HTML5 tout seul, ça ne fait pas grand-chose de plus que les applis qu'on a aujourd'hui. HTML5, il aura toujours besoin de JavaScript. HTML5 tout seul, vous aurez des formulaires un peu plus complexes, vous aurez des liserés de couleurs avec les CSS, donc ça va être sympa. Par contre, toute la dynamicité et grosso modo toute la richesse vers là où on veut aller, grosso modo, quand on parle des webOS ou ce genre d'applications, ben on va avoir besoin de JavaScript, qu'on le veuille ou non. Moi, j'aimerais bien faire autrement, mais je ne peux pas. Parce que JavaScript, il est là, et là pour longtemps. Et on a besoin de JavaScript. Donc HTML5 tout seul, ça ne marche pas. Et donc souvent, on me dit, j'hésite entre GWT, Flex et HTML5. Alors déjà, on va voir, GWT et HTML5, c'est pas incompatible, au contraire. Et même si on ne fait pas de GWT, HTML5, il faudra d'autres outils. Ça peut être jQuery, ça peut être Dojo, ça peut être XJS, c'est-à-dire tous les acteurs JavaScript du marché. Mais grosso modo, on a besoin d'eux. Donc on va avoir besoin d'outils. GWT est un des candidats. Je ne suis pas en train de vous dire c'est le seul candidat. Il y a plein de candidats qui sont disponibles. GWT en est un. D'autant plus que Google est très en avant dans le chantier HTML5. Ils sont extrêmement moteurs, notamment avec Apple. C'est vrai que c'est assez étonnant et on voit que le monde a changé. On s'attendrait à avoir des IBM, des Oracle, ce genre de gros monstres. Non pas que les autres ne soient pas des monstres, Google en est un maintenant. Mais c'est vrai que ce n'étaient pas des acteurs qu'on avait l'habitude de voir sur les aspects spécifications.
C'était souvent des gens pure players qui se la jouaient un peu de leur côté. Maintenant, ils ont tendance un petit peu à aller vers le monde. Et même des Apple, qui se fait un malin plaisir comme ça à pouvoir shooter flex, poussent énormément derrière HTML5. Et Google étant acteur de HTML5, on retrouve toutes les API HTML5 dans GWT, sauf celles qui ne sont pas terminées. Exemple, WebSocket n'est pas encore stabilisé à 100%. Il n'est pas fourni dans l'API de base de GWT. Par contre, si vous voulez vraiment faire du WebSocket, parce qu'il y a plein de navigateurs qui le gèrent, il y a plein d'acteurs de la communauté GWT qui ont mis en place des solutions, des librairies GWT pour prendre en charge les WebSockets. Mais là, vous n'êtes plus sur la solution brandée Google, mais ça marche très bien. Un des objectifs de Google avec la plateforme Google, GWT, c'est d'amener une grosse communauté open source autour d'elle. Et aujourd'hui, il y a énormément de développeurs qui développent des composants, des librairies, des surcouches autour de GWT. Et ça marche très bien. Alors, je vais vous présenter quelques API que l'on retrouve dans HTML5. La première, c'est Local Storage, dont on entend beaucoup parler. Et on va le voir, elle est hyper pratique et en plus hyper simple. C'est toujours agréable d'avoir des API innovantes qui sont simples. Ça évite de se prendre la tête. Le principe est simple, c'est d'avoir une base de données côté client. C'est une base de données, on va le voir, qui est relativement simple, qui est assez proche de l'approche NoSQL et des bases de données type Redis, c'est-à-dire clé-valeur. Donc vous avez une clé et puis derrière une valeur en chaîne. Et la chaîne, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre des objets sérialisés GWT, vous pouvez mettre du JSON, vous mettez ce que vous voulez. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on va en faire ? Des choses très simples, gérer le offline. Toujours utile, par exemple, maintenant qu'on travaille sur des Google Docs, de pouvoir travailler sur ces Google Docs dans le train pendant 2 heures, pendant lesquelles on n'a pas de connexion. Ça peut gérer la performance parce qu'on va pouvoir gérer un cache avec toutes les données de référence côté client. Donc ça va éviter les allers-retours avec le serveur pour mettre à jour des données qui bougent peut-être quasi jamais. Et surtout, ça va permettre de pallier les problèmes qu'on avait, pas les problèmes, mais les limitations qu'on avait avec les cookies, qui sont toujours là. Les cookies, c'est un peu ça le principe, c'est stocker de l'information côté client. Le problème des cookies, c'est que c'est limité à 4 kilos, donc ça va pas loin. On est à plusieurs mégas avec le local storage. C'est 5 par défaut, je crois, et on peut l'étendre. Et puis surtout, les cookies sont transmis à chaque requête serveur. Donc on a, on va dire, de la latence, alors que là, sur le local storage, on reste purement client vers client. Une des API qui est apparue, qui n'est pas révolutionnaire dans son approche, parce que grosso modo, ça consiste à faire du dessin et avoir des zones graphiques côté client. Le côté intéressant là-dedans, c'est le fait qu'on soit sur un standard. Et donc aujourd'hui, on bosse sur des laptops, on bosse sur des iPhones, des Android et sur des tablettes. C'est plutôt bien d'avoir ce genre d'outils. Parce qu'on sait qu'avec ce genre d'outils, on aura grosso modo des graphiques, des camemberts des courbes qui vont être les mêmes et qui vont être affichées sur tous les matériels du marché. Donc grosso modo, c'est une zone qui nous permet de dessiner. Vous allez voir, je suis nul là-dedans. J'en ai fait un Canva. Il y a un carré et un rond. C'est à peu près tout ce que je sais faire. Mais bien outillé, c'est une API qui va permettre de faire des choses complexes. Et aujourd'hui, il y a par exemple des sites de démo où ils ont refait tous les logos des marques mondiales avec que du Canva. Et ça marche très bien. Ça demande du boulot, et là, c'est plus un travail de graphiste. Et puis, il faut savoir que je crois qu'il n'y a que Opera qui le gère aujourd'hui, peut-être Chrome. Il y aura également du 3D qui va arriver dans les navigateurs. Tout le monde a vu peut-être des démos là, de Doom version web. C'est vers là qu'on va. L'objectif est toujours le même, d'avoir une plateforme universelle qui est le navigateur. Et puis une API pareille, qui n'est pas révolutionnaire, parce qu'on faisait déjà du drag and drop dans le monde web. Mais pareil, on a du drag and drop maintenant natif et standard. Ce qui va permettre justement, les tablettes et autres téléphones sont très gourmands sur le drag and drop. Ça va permettre d'avoir un comportement, on va dire, uniforme partout. Donc c'est pour ça que tout le monde se jette un peu sur HTML5, parce qu'on voit les possibilités. C'est-à-dire qu'on se dit, ça va fonctionner partout, notamment sur les appareils mobiles. Alors, je vais vous montrer ça rapidement avec une démo. Je vais aller vite. Je vais peut-être pas vous montrer le local storage parce que là, sinon, je vais déborder un peu le support. On me dit qu'on a le temps.
Donc vous allez voir mes dons de graphiste. Je me rappelle, dans la première boîte, j'étais persuadé d'être hyper bon en graphisme jusqu'à ce que je bosse avec un web graphiste qui m'a fait comprendre que ce n'était pas mon domaine de prédilection. Comme d'habitude, c'est un peu long à démarrer. Là, le principe, c'est que je vais vous montrer un canevas du drag and drop. Hop. On va redémarrer la bête. Et puis, bah, je vais vous faire un peu de code pour vous montrer que le local storage, c'est extrêmement simple à mettre en place. En GWT et en JavaScript. Hein. Je ne vais pas vous dire que GWT a vraiment simplifié les choses au maximum. En JavaScript, et c'est là où ils ont été plutôt intelligents au niveau des spécifications, les API sont relativement simples à mettre en place. Donc, vous voyez, j'ai supprimé l'image du code d'Armor par un superbe canevas. Ouais, c'est un de mes petits consultants qui m'a dit ça. Mon expert Android, tout à l'heure, il s'est foutu de ma gueule en me disant « t'aurais pu faire le logo ». Et je lui ai dit « bah non ». C'est à peu près tout ce que je sais faire. Hein. Je sais changer les couleurs et faire des cercles. Je faisais ça déjà à l'école de Perros avec logo. C'était quoi? C'était Tortue Left ou je sais plus quoi. Donc voilà, vous voyez qu'on a du canevas, donc on a vraiment du standard. Il ne m'a pas chargé la bonne CSS, comme prévu. Voilà. Et donc, ce canevas, si je ne dis pas de bêtises, vous voyez qu'il est draggable true. Et donc, je peux faire ça. Merci. Donc, vous voyez, rien de révolutionnaire, malgré tout. Ça, on le faisait déjà, mais c'est vrai que maintenant, on a la possibilité de le faire nativement. Et donc ça, c'est, on va dire, une grosse avancée d'un point de vue futur du web. Et puis, soyons fous, je vais vous faire en live du local storage. Donc, je l'ai préparé quand même. Vous voyez que l'API est plutôt bien foutue. C'est get local storage if supported. Parce qu'effectivement, tous les navigateurs ne le supportent pas aujourd'hui. Donc, vous avez la possibilité de faire autrement si vous ne l'avez pas. Coup de peau au Chrome le gère. Et par exemple, quand je reçois mon utilisateur, je vais faire un stock store. C'est 7 items, je crois. Voilà. Je lui donne une clé, par exemple code Armor. Et puis, je vais mettre mon utilisateur, par exemple le nom complet. Donc là, je le stocke. Et puis je vais venir l'afficher au démarrage. String nom égale stock store get item, donc code armor, je reprends ma même clé. Et if nom est différent de nul, il n'est pas forcément là au démarrage, ben je l'affiche tout simplement. Alors le window.alert, c'est le alert JavaScript classique. C'est connecté précédemment. J'ai pas fait de faute. J'ai démarré mon appli, j'ai plus qu'à faire un refresh pour prendre en charge mon local storage. Donc je veux faire se connecter. Donc normalement il a stocké en base de données locale. Mon utilisateur, et si je recharge, il me dit, il va taper dans la base locale, et donc il va voir qu'effectivement, il a bien une clé qui correspond à code Armor. Vous voyez, l'API est vraiment simple, et l'objectif de cette API, c'est vraiment justement d'être outillé derrière. Grosso modo, il n'y a pas de gestion de timeout, il n'y a pas de gestion de type complexe. C'est vraiment aux développeurs et derrière, aux utilisateurs, de dire les besoins. Et donc, si vous avez besoin de rajouter du timeout, à vous de rajouter du code. Alors, je pense qu'on aura des API qui vont venir, hein, qui géreront ce genre de problématiques. Mais au niveau des specs, ils ont essayé d'être simples pour une fois. Et ça, c'est plutôt agréable quand on a été habitué aux specs J2E, qui sont vraiment prises de tête. Là, on a vraiment des choses simples. Et vous voyez que c'est hyper bien intégré. Je vous refais un petit effet. Voilà. Ça marche quand même super bien avec GWT. Ça marche
Bien, parce que derrière, c'est quoi? C'est du JavaScript et du HTML. Alors, continuons. Merci. Comme je vous l'ai dit, GWT, c'est plus qu'un framework, c'est plus une plateforme. Et souvent, on peut le considérer comme une boîte à outils. Et il y a plein d'outils hyper agréables dans GWT qui apportent vraiment un plus et qui sont, on va dire, assez satisfaisants quand on est développeur web au quotidien. Il y a par exemple une petite API qui permet d'optimiser les ressources, on va la voir tout à l'heure. Une API qui permet de charger des données volumineuses de manière élégante. On va voir que c'est compliqué. Mais en fait, pas trop. Et puis, on a d'autres API qui permettent, par exemple, de modulariser votre application pour limiter les chargements et ainsi de suite. Une que je voulais vous montrer ce soir, parce que je l'aime bien, parce qu'elle est, quand on va la voir derrière, elle est hyper archaïque, en fait. Mais elle fonctionne super bien. Et donc, c'est hyper agréable pour un utilisateur d'avoir ce genre d'outils. Je pense que vous avez tous vécu ça à un moment ou à un autre dans le monde web, d'avoir, par exemple, un client qui vous dit « Ouais, je veux afficher 3000 lignes à l'écran. » Parce que j'ai besoin d'avoir toutes mes données à l'écran. Bon. Ok. Afficher 3000 lignes à l'écran, souvent, ça se finalise par 20 secondes de page blanche avec un navigateur qui mouline. On a l'impression qu'il est totalement mort. Et puis, au bout de 20 secondes, on a l'impression, boum, on a 3000 lignes qui apparaissent du jour au lendemain et on se dit, qu'est-ce qui s'est passé quoi? On a l'impression qu'il y a eu un truc génial, qu'il a appelé des serveurs dans le monde entier pour calculer les choses. Et en fait, on revient sur les problématiques du navigateur qui est le côté mono-threadé. Un navigateur, quand il affiche une liste, il crée la liste, et puis dans un second temps, il l'affiche. S'il ne peut pas faire les deux en même temps, il ne peut pas se dire « je crée ma liste, je l'affiche », il ne peut pas faire parallélisme. Donc on se retrouve avec ces grosses listes qui sont construites et qui sont affichées dans un second temps. On a un outil dans GWT qui s'appelle l'incremental commande. Je vais vous dire comment ça fonctionne derrière, parce que moi, ça m'a semblé un petit peu magique, cet outil-là. En fait, c'est tout bête. Qui permet d'afficher des données volumineuses, mais de manière élégante, sans avoir de blocage au niveau du navigateur. Ce qui fait qu'on va avoir un affichage extrêmement propre et agréable pour l'utilisateur. Alors, je vais vous montrer tout de suite. J'ai mis en place une grille. Je vous passe les détails sur la construction graphique. C'est pas le sujet. Et puis surtout, alors on va faire une seule boucle pour l'instant. Toujours le mode interprété un petit peu long. Voilà. Donc j'appuie sur charger. Bon, là j'ai trois éléments. Pas de problème pour l'utilisateur. Je mets 1000 boucles maintenant. Donc 3000 éléments à afficher. Donc je clique. Je vais rafraîchir. Je clique. 1, 2, 3, 4 secondes, voilà, à friser. Ça ne paraît à rien, mais pour un utilisateur, c'est toujours hyper désagréable. Il a l'impression que l'appli, elle n'est pas finie, que les développeurs ont fait n'importe quoi, c'est tous des incompétents, ils ne comprennent rien à rien. Là, on est tout simplement sur un problème lié au navigateur. C'est même pas un problème, c'est une problématique. Les navigateurs, ils fonctionnent comme ça. Donc, il faut faire avec. Et GWT, il fait avec les contraintes des navigateurs. Et donc, il y a un petit outil qui s'appelle le scheduler, qui permet de gérer ces problématiques-là. Alors, celui-là, je vais le mettre de côté, mon load. Et puis, je vais en faire un autre, mais optimisé pour charger des grosses données. J'utilise mon scheduler GWT. Et puis, je lui dis, je vais faire une schedule incrémentale. C'est-à-dire gérer grosso modo des grosses données. Toujours le côté verbe Java. Ça, j'y peux pas grand-chose. Le principe, c'est de se dire, je vais exécuter un traitement jusqu'à ce que je dise vrai ou faux.
Donc grosso modo, je reprends mon traitement ici, ma boucle. Mon i, je le mets là, en variable. Et puis, je vais dire, j'exécute ce traitement-là, c'est-à-dire le remplissage de ma liste, hein, tout simplement, jusqu'à ce que i soit inférieur à loop count, et surtout, je vais éviter la boucle infinie, je fais un i++. Et vous allez voir que le fonctionnement, si je ne me suis pas planté, va être radicalement différent. Donc je lance, et vous voyez que la liste s'affiche tout de suite, et vous voyez que le petit... Ouais, je vais recharger plutôt, ça sera plus voyant. Vous allez voir que la liste se remplit progressivement, et qu'on le voit d'ailleurs au niveau de l'ascenseur, de la scrollbar. Regardez ici, vous voyez, ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit. Le mécanisme est assez simple et assez archaïque, parce qu'on n'a pas 10 000 possibilités en GWT. Derrière, qu'est-ce qu'il fait GWT? Il lance un petit timer, et il dit, pendant 100 secondes, je vais remplir ma liste, et ensuite, je lâche la pression, mais une milliseconde. Sauf que ça permet de gérer tous les événements qui se sont empilés, notamment les événements d'affichage, qui se sont mis en attente, en fait. Et donc derrière, il va prendre le prochain événement, il va dire, tiens, il y a un événement d'affichage qui s'est empilé, j'exécute celui-là. Et puis, je reprends mon remplissage. Donc, en fait, c'est des trucs tout simples derrière. C'est plein de petites astuces comme ça, GWT, mais qui vraiment vous simplifient la vie au quotidien. C'est avec la même technique que tu peux faire du chargement progressif quand tu descends la page ? À la Twitter ou à la Google Reader ? Je me pose la question. Je ne suis pas sûr. Parce que là, on va gérer plus de l'événement. Je pense qu'il catch les événements de scroll et il remplit au fur et à mesure. Là, on est vraiment sur le côté, j'envoie une grosse masse. Sur ce que j'en comprends, c'est qu'a priori, ils vont récupérer sur le serveur une seule partie de la page. Et puis, dès qu'il y a un événement de scroll, ils vont récupérer l'autre. Oui, ils le font plus s'il y a besoin. Et s'ils sont intelligents, souvent, ils récupèrent en amont la suivante. Un peu ce que fait Google Maps sur les tuiles. Il a toujours un petit temps d'avance en récupérant les tuiles qui sont à côté parce qu'il se dit que le gars va certainement scroller. Ça doit être ça. Et puis, on revient sur une petite optimisation assez sympa qui est le principe d'optimisation des ressources. Ressources web, c'est quoi? C'est grosso modo toutes les ressources qui sont manipulées par les applications web. Exemple classique, les images. Aujourd'hui, ça a tendance à se multiplier. Le problème de multiplier les ressources web, ça crée plein de problématiques, essentiellement de performance et de gestion. Ça fait énormément d'aller-retour réseau et donc de perte de temps. Ça fait une gestion de cache un peu complexe. Un navigateur, ça sait gérer 4-5 connexions en parallèle. Donc par exemple, quand on a une application qui gère 1000, 2000 images à l'écran, bah, ça fait un goulet d'étranglement parce qu'il ne peut en récupérer que 4 à la fois. Et puis des fois, il y a des trucs tout bêtes, des problèmes de développeurs. On met une URL dans notre code et puis l'URL ne correspond pas vraiment à l'état physique de l'image. On s'est gouré d'un caractère et on se retrouve en production avec une image vide qui ne fait pas hyper riche. Et l'utilisateur, vous, en tant que développeur, vous avez beau savoir que c'est vraiment peanuts en termes de code, bah, pour l'utilisateur, c'est toujours catastrophique. Autant l'appli ne marche pas, ce n'est pas très grave, mais elle est moche et donc ça, c'est quand même problématique. Et GWT sait prendre ça en compte maintenant et prend en compte lors de la compilation les problématiques d'emplacement. Et prend les problématiques d'optimisation des ressources en limitant les accès à réseau. Je vais vous montrer notamment les images. Moi, c'est un truc que j'ai découvert. Je ne savais pas que ça se faisait. Mais grosso modo, on ne va pas télécharger l'image. L'image va être totalement imbriquée dans le code JavaScript. Ça se fait. Et c'est standard. Donc, le principe de client bundle, c'est un principe GWT qui permet de gérer toutes les ressources externes de notre application. Les images, les CSS, les PDF... et puis éventuellement du texte aussi. Le texte, c'est très simple. Au lieu de télécharger un fichier, il fout le texte directement en JavaScript, ce qui permet d'éviter les allers-retours. Par contre, pour les images, je vais vous le montrer tout de suite. C'est un truc assez sympa, je voulais le montrer ce soir, parce que là, j'ai découvert la Lune quand je l'ai vu, ce truc-là. Et ça sera la dernière démo pour aujourd'hui. Je vais le couper, lui. Je vais le relancer. Là, je vais vous afficher
une application web classique. Ça, c'est juste une problème de cache. Voilà. Quand je vais voir mon image ici, je suis sur une image classique. Ce qui fait que normalement, je dois la voir dans mes allers-retours. Voilà, code PNG. Donc ça m'a pris un petit temps. Mais multiplié par 1000, 2000 ressources, 2000 icônes, ça peut devenir problématique pour l'utilisateur. Le principe, ça va être d'imbriquer et d'optimiser la mise en place de cette page. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon image et je viens la mettre dans le code Java. Pour les puristes, c'est toujours un peu difficile de faire ça. Mais vous allez voir, ça marche. L'intérêt de le mettre dans le code Java, c'est-à-dire que c'est essentiellement qu'à la compilation, il va vérifier. Est-ce que l'image dont on a une référence dans le code existe bien? Ce qui permet en gros d'anticiper les images invisibles et les images fantômes en production. On anticipe dès la production ce genre de problématique, la compilation. Donc je crée un client bundle qui va être grosso modo mon dictionnaire de ressources. Je l'appelle ressources. Classe vide. Ici, je fais quoi? Je rajoute ma ressource dans mon client bundle. Alors, il me dit, on peut avoir plusieurs clients bundle. C'est celui-là. Je ne suis pas le premier à créer une classe comme ça. Et vous voyez que on a une petite méthode qui apparaît. Image ressource. Donc c'est bien une image. Et elle s'appelle code, comme le nom du fichier. Et grosso modo, c'est un système de convention. Il sait que code, ça correspond à l'image qui se trouve dans le même package. C'est pour ça qu'on retrouve l'image dans le code. Enfin, dans la hiérarchie. Et puis derrière, je veux afficher cette image. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que je faisais? Je faisais image, code PNG, classique. Et maintenant, je vais utiliser mon dictionnaire de ressources. Donc, vous voyez qu'on retrouve cette classe-là, là, ressources, qu'on vient déclarer dans notre IHM. Et maintenant, plutôt qu'utiliser une URL en dur, je viens utiliser ma méthode. Alors là, c'est un raccourci UIBinder qui consiste à dire ressources.code parenthèse parenthèse. Donc grosso modo, il appelle la méthode de l'interface. Et puis c'est la compilation qui vient gérer ça de manière transparente derrière. Il vient remplacer le code parenthèse parenthèse par l'emplacement de notre image. Donc j'ai plus d'URL, j'ai bien une ressource. Et quand je mets à jour, si je n'ai pas fait de bêtises, et que j'affiche mon image, l'image, elle se retrouve là. Elle se retrouve dans le code. Et c'est toujours une balise IMG, avec toujours un SRC. Par contre, on a un CSS avec background, URL. C'est un data.image/png.virgule/64. Donc en gros, on vient transformer notre code binaire, notre image binaire, en texte. C'est la convention BAS64. Et ça, c'est une norme web. Et c'est une spécification standard qui dit vous pouvez inclure n'importe quel document binaire de cette façon-là dans le monde web. Donc là, vous voyez qu'on a l'impression que GWT, il invente des trucs. Pas du tout. Il va piocher dans les outils qui sont aujourd'hui disponibles. Et c'est toujours assez drôle parce que moi, j'ai découvert ce truc-là en me disant c'est quoi cette bizarrerie très. On a l'impression qu'elle est labellisée Google. C'est du standard qui est traité par tous les navigateurs du marché, que ce soit sur votre iPhone ou sur votre laptop. Donc vous voyez que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que. Alors c'est de l'optimisation à la marge. Mais grosso modo, ça évite de faire un aller-retour et d'aller récupérer, vous voyez, alors là, il le met, mais en fait, il ne va pas le chercher sur le réseau en tant que tel. Il va le récupérer directement dans le code source. Donc en gros, en récupérant notre code JavaScript, on récupère en plus l'image. Et ça nous fait un aller-retour en moins. Multiplié par 1000, c'est toujours intéressant. Aujourd'hui, au niveau des préco, quand même, pour les images, on nous demande des fois aussi de gérer par sprite. Ouais. Une seule image avec les images dedans pour éviter les allers-retours. Ouais, absolument. Sauf que tu en as quand même un. Ouais, tu en as un. Il faut aller chercher le sprite.
C'est comme ça que faisait GWT avant la version 2.0. Et puis, il y a cette norme maintenant qui est disponible et qui est manipulée par l'ensemble des... des navigateurs du marché. Et donc, ils ont supprimé l'approche Sprite pour aller sur cette approche qui est encore plus optimisée que les Sprites. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, si tu... On peut, hein. Après, il y a des gars qui ont mis en place des librairies qui gèrent le Sprite. Mais, Parce que si tu fais, si tu rentres ton site dans un testeur pour savoir s'il est bien formaté, s'il répond vite, il te le reproche, ça, que tu n'as pas mis tes images en Sprite. Si tu les as mis comme ça, il te dirait... Bah, il a tort. Si tu les as mis comme ça, il te dit rien. C'est tout le problème des outils comme Checkstyle. C'est Google, hein. Non, c'est Google qui te dit... Ouais, ou Google. Google avec ses, son, ses outils développants. Il a raison, hein, mais c'est des conseils, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure à un gars. Je dis, bah, un conseil, on l'applique pas. Et surtout, on l'interprète. C'est des gros warnings, du coup, quand même. C'est même des erreurs, je crois. Mais ils connaissent rien, ils connaissent rien au web, ces gens-là. Non, mais ils ont raison, absolu. Mais, et c'est là où on voit d'ailleurs que Chrome, il voit pas que c'est une application GWT. Ouais. Pour lui, c'est une application web classique. Et donc, il applique les règles. Je sais pas s'il met des warnings dans ce genre de code. C'est ça que je te demande, en fait. S'il l'accepte mieux ou pas. Je sais pas. Ouais, ouais, c'est une bonne remarque. Ça leur dit quand même la, la taille. Le bas 64, ça a tendance à rajouter un peu de données. Mais là, on gagne en niveau réseau. Quoi. Donc, c'est un choix. On est gagnant sur... Là, c'est un exemple sur une image. Le gain, il est peanut. On est peut-être même perdant. Le gain, il est sur les applications vraiment réelles avec 1000, 2000, 3000 images. Quoi. Et puis surtout, rien ne vous oblige à le faire. Et puis, chose assez drôle, cette norme-là, elle est limitée à 32 kilooctets. Si votre image fait plus de 32 kilooctets, il va garder une image classique avec une URL, parce qu'une URL, ça fait 32 kilooctets maximum. Il y a le pour et le contre de mettre ça en dur. Si on veut changer l'image, ouais. S'il y a une référence avec un fichier, on peut faire un fichier. C'est une bonne remarque. Et ça, ça fonctionne que sur du statique pur et dur. Dès que vous voulez avoir de la dynamicité, bah là, vous allez faire autrement. Parce que là, c'est directement intégré dans l'application. Ouais. Ouais. Donc, c'est pareil, on est encore sur l'approche Google de dire, voilà, je vous offre cette solution, vous l'appliquez ou pas. On peut utiliser les autres solutions. Après, à vous de choisir. C'est toujours une balance à faire. Shift F5. Et JavaScript dans tout ça. Derrière tout ça, il y a énormément de JavaScript. Allez, on va fouiller. Je vais aller fouiller dans du code. Normalement, on va trouver du JavaScript à un moment ou à un autre. C'est dans le code du framework, c'est ça ? Ouais. Ah, il va me faire mentir, là. Non, je sais ce qu'on va aller voir. Même plus simple. Quelque chose qui va parler à tout le monde. Là, on a du code JavaScript. Vous voyez que quand on fait un window.alert, en fait, on fait du window.alert. Et là, on va voir la syntaxe, c'est un peu particulière. Ça, c'est pas du Java. C'est du JavaScript. Donc derrière GWT, il y a toujours JavaScript. Il n'invente jamais JavaScript. Il a besoin de JavaScript pour tourner GWT. Sans lui, il n'y a rien. Donc c'est pour ça que c'est un framework JavaScript. Derrière, il y a toujours du JavaScript. Mais il essaye de le cacher. C'est un JavaScripteur honteux, en fait. Et donc, il est possible, même pour vous en tant que développeur, c'est pas que au cœur du framework et de la plateforme, il est possible d'utiliser du JavaScript, d'appeler du JavaScript. Et ça peut être très utile. Par exemple, si vous avez développé pendant les années un composant qui fait très bien le boulot, qui est hyper optimisé, qui est testé, qui fonctionne bien sur tous les navigateurs, bah, au lieu de, plutôt que de le redévelopper complètement en GWT, bah, vous allez l'encapsuler dans du code Java et vous allez l'appeler. Ce qui va vous permettre de l'inclure directement dans du code GWT, sans problème. Donc ça marche très bien. Et surtout, ça permet d'optimiser les choses. Donc on a ce bridge qui permet ça. Ce bridge, il s'appelle JSNI. Le nom va peut-être vous dire quelque chose pour ceux qui connaissent un peu Java. Ça ressemble fortement à JNI, qui est grosso modo un petit module de Java qui permet d'appeler du code natif. Et chez Google, bah, ils ne se sont pas embêtés. Ils ont repris cette syntaxe-là et ils l'ont retranscrite
dans le monde web. Par contre, petit bémol, c'est quelque chose qu'il faut faire le moins possible quand on fait du GWT. Parce que dès qu'on retourne sur du JSNI, on retourne dans le monde JavaScript et on retrouve les problèmes inhérents au JavaScript, la compatibilité avec les navigateurs, les fuites mémoire. Donc on peut potentiellement retrouver du IFIE, faire comme ça et ainsi de suite. Je prends toujours cet exemple qui vaut ce qu'il vaut. Moi, j'ai une grosse application de cartographie marine qui tourne sur JWT en production aujourd'hui. Ça tourne à terre et dans des bateaux. C'est une application assez exotique. Il y a un petit module JavaScript qui est tout le module cartographie marine. Parce qu'on avait disponible, ça s'appelle OpenLayers pour ceux que ça intéresse. C'est un module open source qui permet d'afficher de la carte, un peu comme Google Maps, mais là on a vraiment une approche open source. C'est du pur JavaScript. Et donc plutôt que de tout redévelopper, bah, on a pris ce module-là et on l'a inclus dans notre application JWT. On a eu une fuite mémoire qui nous a pris un week-end à être corrigée parce que c'est l'horreur. C'est assez archaïque les outils qu'on a. C'est IE d'ailleurs qui m'a permis de détecter la fuite. Il a un petit outil qui est plutôt pas mal. Et la fuite venait de côté JavaScript et pas de JWT. Donc c'est vrai que JavaScript là-dessus a quand même quelques défauts. Java aussi, mais faire des fuites mémoire en Java, c'est beaucoup plus dur. Ça arrive. Et donc la syntaxe, JSNI va nous permettre de mélanger, et là pour le coup de mixer vraiment, du JavaScript avec du Java. Là, vous avez une méthode pure Java. Par contre, elle a un petit mot-clé natif qui est justement utilisé traditionnellement pour le code natif, et là qui est utilisé pour dire ça, c'est du code JavaScript. Donc en gros, ils ont détourné l'utilisation classique du natif pour le mettre dans du JavaScript. Donc, c'est plutôt futé chez Google. Ils ont des mecs assez brillants et qui n'ont pas peur de faire ce genre de choses. Parce que des fois, on pourrait hésiter. Et eux, ils n'hésitent pas, ils font. Bon. Et ça marche très bien. Et puis, ils avaient quand même un petit problème avec le natif, c'est qu'une méthode native en Java, elle n'a pas de corps, c'est une simple signature. Donc, il se finit, parenthèse, point virgule. On n'a pas le corps, on n'a que la signature. Or, nous, on veut mettre du code JavaScript. Et donc, ils ont inventé une petite syntaxe, slash étoile tiré accolade, accolade tiré étoile slash. Donc, pour un IDE ou pour un Java, un compilateur Java classique, c'est un commentaire. Donc, il se dit, ça, j'ai pas à l'interpréter. En plus, c'est du natif, donc c'est bon, ça va être géré ultérieurement. Sauf que le compilateur JWT, lui, il sait ce que c'est, ça. Et lui, il sait que c'est du JavaScript. Et donc, il sait qu'il va prendre ce code JavaScript et grosso modo le coller tel quel dans son code généré. Alors, c'est pas tel quel, il y a juste deux petits raccourcis, c'est $doc et $wnd qui correspondent aux documents et aux Windows, parce que JWT est lancé dans une frame, et pour éviter des problématiques de récupération de référence, c'est les seules choses qu'il vient modifier, c'est ça. Ça, il vient mettre le frame.window. Par contre, le reste, c'est du pur JavaScript. Donc là, vous faites ce que vous voulez. Et grosso modo, c'est un peu une porte de sortie, le JSNI, parce que si vous vous rendez compte un jour que JWT ne sait pas gérer une petite fonctionnalité de votre navigateur, bah, vous avez toujours le JSNI pour aller l'appeler. Et puis, chose assez sympa, on peut appeler du Java depuis JavaScript. Alors, dans les faits, c'est bidon, parce que ce code Java, là, il va être transformé en JavaScript. Donc, au final, c'est bien du JavaScript qui va appeler du JavaScript. Donc ça, il n'y a aucun problème. Mais là, on a l'impression que c'est du JavaScript qui appelle du Java. Et pareil, ils n'ont pas réinventé la roue. Ils ont repris une syntaxe qui est assez difficile à maîtriser, qui est la syntaxe JNI. Et grosso modo, là, on dit, ici, que depuis JavaScript, j'appelle cette méthode-là. Et donc, il faut redécrire toute l'interface, toute la classe avec son package, le nom des paramètres, pour contourner les problématiques de surcharge de fonctions, et ainsi de suite. Et donc, on peut faire des allers-retours entre l'un et l'autre, ça marche plutôt bien. Et donc, ça vous permet d'utiliser derrière les librairies JavaScript que vous aimez bien. Alors, pour finir, je passe très rapidement sur les bonnes pratiques. Si vous partez demain sur JWT, pensez toujours à utiliser des événements au maximum. C'est une application, une plateforme qui est orientée composants. Et les composants, ça cohabite très très bien avec les événements. Et dès qu'on met en place de l'événement, notamment avec un event bus, qui grosso modo va être le central téléphonique de votre application, bah, ça permet d'avoir plein de modules
au niveau GWT et de fonctionner relativement bien, d'autant plus qu'on peut créer ses propres événements dans GWT et c'est très rapide et très facile, comme on le fait en JavaScript. MVP, c'est un pattern qui est relativement ancien et qui n'est pas né avec GWT, mais qui a été poussé par Google pour amener des bonnes pratiques dans GWT. Il y a quelques années, GWT, c'était un peu l'Eldorado quand on voulait faire de la bidouille, faire des prototypes un peu exotiques, un peu sympas. Sauf qu'à un moment, ils se sont dit, si on veut être crédible, il va falloir aller vers des bonnes pratiques de conception et des bonnes pratiques d'architecture. Et ils ont poussé ce pattern, qui est assez proche de MVC, hein, c'est pas la révolution. Le principe, c'est d'avoir une interface, grosso modo, entre la présentation et la logique de traitement pour améliorer la lisibilité, la maintenabilité et les évolutions du code. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir MVP. C'est un pattern que vous pouvez utiliser dans n'importe quel techno type IHM. Et puis, on peut faire l'injection de dépendance aussi à la mode Spring ou à la mode J2E maintenant, qui s'y est mis, avec notamment des Google Gene, qui est le petit frère de Google Juice, concurrent de Spring chez Google, et qui permet de faire de l'injection de dépendance, mais côté client, côté JavaScript. Donc. On revient sur les fameuses idées reçues. Effectivement, pendant longtemps, on disait « c'est génial, j'ai OET, j'ai pas besoin de connaître le web. Moi, CSS, j'aime pas ça, JavaScript, j'aime pas ça, HTML, j'aime pas ça. Super, j'adore Java, donc je me lance dans GWT, les problématiques de navigateur, je les gère plus. » C'est faux, vous l'avez vu que on bosse tous les jours avec un navigateur, que très souvent on va utiliser les outils de développement Chrome ou Bugzilla. FileZilla, non, comment il s'appelle ? Firebug ! C'est la fin de conf là. Donc vous allez utiliser Chrome, qui est le plus performant. Et d'ailleurs, Chrome, petit aparté, moi quand j'ai vu Google apparaître avec Chrome en disant, comme d'hab, moi je suis hyper bon en prescription, j'ai dit ça sert à rien. J'ai dit qu'est-ce qu'ils vont foutre là-dessus ? Sauf que quand on a vu les performances du moteur JavaScript, on a dit ah ouais, ok, c'est peut-être intéressant en fait Chrome. Depuis, je suis sur Chrome d'ailleurs, vu que mon Firefox il mettait une minute à démarrer. Et Chrome finira peut-être comme ça. Et c'est vrai que Google a vraiment orienté sa stratégie vers JavaScript. Et donc on voit qu'ils sont plutôt cohérents dans leur stratégie. Ils ont toujours leur idée de WebOS. Ils ont une plateforme qui s'appelle GWT qui permet de faire des applications très typées JavaScript, très lourdes, très riches. Et donc, c'est vrai que quand on fait tourner une application GWT sur un Chrome, alors maintenant, c'est vrai aussi sur les autres. Hein. Firefox a vraiment rattrapé le retard, IE aussi. Et les moteurs JavaScript sont quand même surboostés maintenant. Et on voit que les moteurs JavaScript, maintenant, tournent hyper bien et sont hyper performants. Je prends toujours cet exemple, il y a un truc assez drôle. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait du Node.js ici. Node.js, c'est un serveur web. Je parle bien de serveur, hein, qui est codé en JavaScript. Et le moteur qui fait tourner ça, c'est le moteur de Chrome. Donc les mecs sont encore, c'est peut-être les mecs de GWT qui sont un peu tordus, ils se sont dit wow, le moteur est hyper performant côté client, ben, on va en faire un serveur web. Donc on peut faire maintenant du développement web full JavaScript côté client et côté serveur. Ça marche. Et c'est full asynchrone. C'est assez particulier. Parce que c'est un serveur web qui est mono-threadé. Mais c'est le moteur Chrome qui tourne. Et j'ai vu des démos, ça marche plutôt bien. C'est pas encore en prod. Hein. Ceux qui veulent le tenter. Je suis preneur des retours d'expérience. Donc on a besoin de connaître le web, on a besoin de connaître le CSS, on a besoin de bosser avec des web graphistes pour bosser avec GWT. Et puis une autre idée reçue qui n'est pas totalement fausse, c'est on développe en GWT comme on développe en client lourd. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai dans le sens où on ne développe pas GWT comme on développe en Struts, en Spring MVC, ou grosso modo dans les applications page à page. Parce que, par exemple, quand on fait du page à page, on vide la mémoire constamment. En GWT, elle n'est jamais vidée. Donc, grosso modo, il faut penser à vider les formulaires. Parce que quand on réaffiche le formulaire d'authentification, bah, il était en mémoire, donc il se réaffiche avec les données mémoire. Il faut penser à le vider. Alors que quand on fait du page à page, bah, naturellement, il est vidé. Souvent, les gens, quand ils voient ça, ils font « Oh, c'est un bug. » Ah non, c'est une autre façon de développer. On est plus proche du client lourd que du client léger à ce niveau-là. Par contre, bah, on a toujours un serveur. On va chercher sur un serveur des données, on a vu qu'on a des principes RPC asynchrones. Et là, on ressent bien le côté web de GWT. Donc on a beau se dire, ah ouais, je développe comme en client lourd. Et effectivement, quand on vient du client léger, on a un peu de mal au début. Une des choses qui est toujours assez étonnante,
quand on arrive sur des types, des applications type GWT, on dit il n'y a plus de session, il n'y a plus de session web. Et alors là, quand on a fait du web pendant 5 ans, c'est le choc. La session qu'on a détestée pendant des années, on est hyper déçu de ne plus la retrouver. On n'a plus besoin de session, pourquoi? Parce que l'application elle reste en mémoire constamment et elle n'est pas rechargée toutes les 10 secondes. Donc on n'a plus besoin de session côté serveur. Ça a beau être génial, c'est toujours un petit peu compliqué à gérer au début. Et moi, ma première application GWT, le premier truc que je me suis empressé de faire, c'est de créer un singleton qui s'appelait Session et dans lequel je venais stocker tous mes trucs. Et j'étais hyper content parce que je retrouvais mes petits. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Alors, GWT ou pas? Je ne suis pas là pour vous dire que GWT, c'est la plateforme ultime. Dans les faits, c'est faux. Aujourd'hui, c'est sans doute la partie la plus compliquée à choisir quand quand on monte un projet. La partie serveur, on a ses habitudes. On est très J2E, ou on est très Spring, on est très Hibernate, ou on est très Toplink. Ça, c'est vite torché. Par contre, en termes d'IHM, on a des choix, mais monstrueux. On va avoir JSF, l'école standard. Je suis plutôt contre. On va avoir Struts, pour les gars un peu old school. Et puis après, on va avoir des Wicket, on va avoir du Play, on va avoir du Grails, on va avoir du Spring MVC, on va avoir du Flex, on va avoir du Silverlight, Feu Silverlight, on va avoir du GWT, on va avoir du jQuery, on va avoir du Dojo, on va avoir du XJS, on va avoir du Smart Client. Et là, c'est l'horreur. Et là, on a un client en face de vous qui dit, moi, il m'en faut qu'une. Je suis pas forcément pour cette approche parce que pour moi, toutes les plateformes qu'on a présentées, elles ont toutes des forces. Il y en a qui sont cousines, et là ça peut, on peut les comparer, et d'autres qui sont totalement différentes. Moi, je ne vais pas comparer un GWT à un Grails, par exemple. Grails, l'avantage, ça va super vite, on fait du CRUD super vite, on va super vite, quoi. GWT, ce n'est pas le cas. On peut être rapide, mais au bout de quelques temps, et puis surtout, on va aller sur de l'application extrêmement riche. L'exemple que je prends souvent, c'est demain, on m'appelle, et il faut que tu fasses une application qui s'appelle Wikipédia. Je fais cool. Est-ce que je vais aller sur GWT? Qu'est-ce que ça va m'apporter d'avoir une application hyper dynamique sur du Wikipédia? Wikipédia, c'est quoi l'intérêt? C'est de lire des articles. Ça bouge très peu. Moi, j'ai pas besoin d'avoir des trucs qui clignotent de partout avec du drag and drop et ainsi de suite. Donc, c'est pas là que ça va se jouer. Et surtout, je vais leur dire, ça va mettre un an à être développé parce que c'est complexe et tout. Par contre, en Grails ou en Wicket ou en Play, je vais aller super vite. GWT, il va vers de l'application web, plus que du site web. On est vraiment sur de l'applicatif, riche, dynamique. Et c'est là où est la force de GWT. C'est un framework qui est simple, dans un second temps. Les premières semaines sont un peu dures. Vous avez plus de session, vous avez plus du MVC, vous êtes un peu perdu. Mais au bout d'un moment, ça va assez vite. Les problèmes de GWT, pour moi, le principal problème aujourd'hui, c'est la stratégie de Google. Je pense qu'il devrait la changer un peu. L'API est minimaliste, notamment au niveau des widgets. On a, on va dire, une bibliothèque de widgets relativement riche maintenant, mais les widgets font très peu de choses. C'est souvent aux développeurs de venir rajouter du comportement. C'est pour ça qu'il y a plein d'éditeurs ou de communautés qui se sont engouffrés là-dessus et qui ont mis des surcouches autour GWT. On a Sencha, GWT, on a Smart GWT. C'est des surcouches autour de GWT, mais avec des widgets beaucoup plus riches, beaucoup plus performants. Mais nativement, vous avez vu tout à l'heure la liste là, que je vous ai montrée, c'est impossible de redimensionner nativement les colonnes. La pagination, il faut vraiment y aller un peu au burin. Donc, ils ont une approche vraiment plateforme, comme je vous disais, librairie. C'est-à-dire qu'ils disent aux développeurs, nous, on vous offre tous les outils, à vous de vous débrouiller derrière. Ça peut faire peur. Parce que les gens, quand ils voient, on va dire, la première fois une application GWT basique, ils se disent, c'est moche. Ouais, c'est un peu moche. C'est vrai, comparé à des outils comme Flex. Flex, vous faites, par exemple, prenez GWT et Flex, vous pouvez faire le test en aveugle. Vous prenez 20 minutes pour faire une application Flex, 20 minutes pour faire une application GWT. Normalement, le client, il achète Flex. S'il va dire, ouais, c'est génial, c'est trop beau, ça clignote de partout. Avec Flex, on fait des trucs super jolis, très vite, très ergonomiques. Avec GWT, il faut tout le travail en amont de graphisme, de construction de pages, et ainsi de suite. Donc là, on retrouve le côté web. De mon point de vue, Google devrait peut-être, alors s'ils trouvent un peu d'argent, ils sont toujours un peu à court en fin de mois chez Google,
acheter des acteurs comme Smart Client ou Sencha. Je pense que c'est dans leurs moyens. Et puis, ça leur permettrait d'avoir une API de widget beaucoup plus riche. Peut-être qu'ils iront, je ne sais pas, on verra dans les mois qui viennent. Et puis, il y a un autre inconvénient par rapport, par exemple, au framework JavaScript. On a les forces de Java, mais on a aussi les faiblesses. Donc, c'est hyper robuste, par contre, c'est hyper verbeux. Et quand on monte ça, par exemple, en formation à des JavaScripteurs, c'est la révolution, quoi. Ils disent, ouais, c'est tout pourri, c'est quoi ce truc-là? Moi, j'ai eu des gars, c'était ceux qui ont pondu ça, c'est des débiles. Je dis, ouais, enfin, bon, chez Google, ils ont quand même 2-3 mecs relativement brillants, mais on peut en discuter. Mais voilà, ça peut bloquer. Donc, GWT, c'est pas la plateforme universelle. C'est une bonne plateforme qui a des forces, qui a des faiblesses. À vous de choisir derrière.